Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Together avec Damned. Salut Damned! Faut appuyer sur le bouton quand tu parles, Damned. Eh oui, je n'y arriverai pas à m'y faire. Salut tout le monde! Alors, du coup, on a fait quelques essais en off et on a réussi à trouver un truc, c'est-à-dire que du côté de Damned, il y a trois gros tonneaux, c'est ça, avec les trois couleurs différentes, et on a réussi à envoyer suffisamment de pression en orange, donc là il me reste encore un peu de jaune et un petit peu de rouge, pour remplir la cuve orange, et du coup, elle reste remplie quand on enlève tout, donc l'idée sera de remplir, c'est une verte et une violette que t'as, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et j'en profite pour passer le message aussi, même si bon, ça intéresse pas forcément tes viewers parce qu'ils t'ont déjà vu, mais allez voir la vue du cygne, parce qu'il m'a montré en off sa salle, ou venez voir la mienne aussi, mais on n'a pas du tout les mêmes salles et la sienne elle est tellement complexe, ah ouais. Tellement, allez voir, ça vaut le coup d'œil. Ouais, franchement j'avoue, c'est un truc de fou quoi. Alors que la mienne est quand même un peu plus simple, enfin elle est pas simple, mais je veux dire, écoutez, j'ai que dalle par rapport à toi. Bah, et en plus là, on va remplir tes cuves, mais je sais pas du tout ce que ça fera après quoi. Hein. Non, mais j'ai envie de dire que quand les trois seront pleines, je pense que ça fera quelque chose. On va voir. Donc faut en gros envoyer de la pression. Donc c'est bien ça, donc faut que l'aiguille soit le plus à gauche possible, avec la bonne couleur. Donc là, faudrait qu'on fasse soit du violet, soit du vert. Donc le vert, faut que j'envoie du bleu déjà. Ouais, envoie-moi du bleu et je vais te sortir du vert. Ok. Est-ce que ça valait le coup? Je m'en mets dans le 2, attends. Peut-être que dans le 2 ça suffisait. Alors ça m'arrangerait plutôt dans le 3 en fait. Ok, bon, on va tenter dans le 3 alors. Mais ça me fait utiliser deux tuyaux, mais pourquoi pas, c'est bon. Ah oui, bah du coup peut-être pas, parce qu'effectivement ça veut dire que ça envoie dans le 2 et du coup le 2 il faudrait juste qu'il n'envoie pas si possible. C'est exactement ça. Bah, remarque, ça me fait pareil en fait, c'est la même chose. Enfin, le 2, non, le 2 c'est obligatoire. Ouais, c'est ça, alors. On peut se passer du 3. Ah, attends. On peut se passer du 3 peut-être. Exactement, on peut se passer du 3. Et est-ce qu'on peut pas le faire arriver dans le 5 aussi? Non, y'a peut-être pas moyen. Bah là, de toute façon, je sais pas si t'as pas assez de pression, moi j'ai plus de points, il faut l'envoyer soit dans le 6, soit dans le 7. Ouais, voilà. Oublie, j'ai oublié une connerie. Ah, c'est bon, la verte vient de se remplir, ça y est. Parfait, je récupère mes tuyaux. Et violet, c'est mélange de quoi et quoi déjà? Bah, j'étais justement en train de remonter, voir si j'ai une recette qui me dirait ça. Et bah, absolument pas. Tu n'as pas. Mais tout à l'heure, on a réussi à faire du violet, mais je sais plus comment. Bah, du violet, réfléchissons, ça doit être quoi? Ça doit être. Y a du rouge. Faut peut-être refaire du vert et balancer du jaune en plus. Mais j'ai un doute. Hein. Du jaune dans du vert, j'aurais dit du rouge, du bleu et du jaune en fait, les trois. Du rouge et du bleu. Du rouge et du bleu, on me dit du rouge et du bleu dans l'oreillette. Allons-y pour du rouge et du bleu. T'as moyen d'envoyer du jaune dans le 3 par exemple, dans le... Je sais pas lequel. Le 4. Plutôt le 3. Enfin, peu importe. Le 4. Attends, excuse-moi parce que du coup je parlais sans appuyer sur le bouton, mais on me souvient dans l'oreillette que pour du violet ce serait juste du rouge et du bleu. D'accord, donc faut... Alors, ouais, mais le problème c'est que pour faire du rouge, il faut que tu prennes mon jaune et tu rajoutes... Voilà. Et donc faut faire rencontrer avec le violet maintenant, je pense. Ah, on l'avait, non? On l'a plus, là c'est redevenu jaune. Alors, j'ai pas de... J'ai déjà du rouge, hein, j'ai de l'injection de rouge, hein. Donc tu peux couper ton jaune, je pense. Je vais t'envoyer le rouge. Ok, parfait. Ah, bien. J'ai. Merci Chobiti pour le violet. Merci Chocho. Damned dit merci Chocho.
Oh la pression. Voilà, c'était pas compliqué en fait. Super, on a débloqué appareil chromatique. Maintenant, à quoi ça nous sert? Bonne question. Ok, je peux plus récupérer mes tuyaux. Pour la part, ils sont condamnés, ça y est. Ah, j'ai même pas vérifié, mais je vais regarder si à tout hasard ça change qui sort des shops. Attends, j'ai la nouvelle salle qui est ouverte. Voilà. Tu parlais tout à l'heure d'un délire avec une créature, peut-être, enfin, pas une créature, mais les lianes à détruire. Tu vois la plante piranha dans Super Mario? Exactement, oui, je la vois très bien. Eh ben, je l'ai en face de moi. Avec des petits, si j'approche, je pense qu'ils m'attaquent. D'accord, donc effectivement, ça confirme l'hypothèse que moi j'ai un spray rouillé avec un réservoir vide. Il va falloir qu'on fabrique un genre d'insecticide que je vais sûrement devoir t'envoyer dans le train, je ne sais comment. Et que tu pourras réceptionner, peut-être, pour buter ce truc. Alors. J'ai un distributeur. J'ai un distributeur avec du violet, du vert et du orange. Je peux me servir. Je sais pas encore comment. Ah si, avec un seau, ok. Je peux prendre un seau de chaque. Attends. Parce que j'ai la suite après. Ok, j'ai pris un seau de vert, un seau de jaune, orange et de violet. Et figure-toi qu'en bas j'ai des sacs avec des plantes dessus ou des légumes. Donc je pense qu'il faut que je crée une mixture par rapport à ton livre de recettes. Ah bah parfait, voilà, effectivement ça explique. Parce que du coup moi j'avais des recettes où j'avais des dessins de seaux et des dessins de shop, et moi j'ai que les shops. Et bah voilà, alors il y a des tonnes de sacs, hein. Il y en a une dizaine différents. Ah tiens, attends, regarde, je peux t'envoyer un truc. Va voir ton petit rail. Ah ouais, j'ai des... Et là je peux mettre des trucs dedans, je t'ai mis une shop jaune par exemple. Ça va être un sacré bordel quand même. Hein. Alors du coup, est-ce que c'est parce que j'ai fait le chemin totalement au hasard et que ça fait effectivement quelque chose? Je ne sais pas, il n'y a rien qui bouge sur mon petit truc de chemin de rail. Là. Alors, ce que je peux faire, je sais pas si ça va être utile, si c'est pour moi ou pour toi, mais je vais t'envoyer ça moi. Et je vais voir si je peux en reprendre pour moi. Je peux en reprendre pour moi, donc je peux te les laisser. Alors écoute, du coup je vais tester la première recette, la plus simple, qui est un seau vert et une chope verte, c'est censé donner une chope verte. Admettons. Un seau vert et une chope jaune, oui, tout à fait. Alors, ah oui, parce qu'attends, moi j'ai aussi trouvé un plan sur une table, alors c'est écrit dans une langue incompréhensible, mais il y a marqué une fiole rouge, une fiole bleue, une fiole verte, ça donne une fiole noire avec une tête de mort dessus. Autant dire, ça tue la plante. Ah, donc je me demandais si t'avais la recette de l'insecticide, mais parfait, c'est parfait ça. Donc t'as dit qu'il fallait quoi? Bah il faut une fiole rouge, une fiole verte et une fiole bleue, je crois, je suis plus devant. Mais je suis pas sûr que ce soit juste les mélanges de couleurs, enfin je sais pas trop ce que c'est. Parce que je suis descendu dans un puits, qu'on peut remplir aussi. Attends, avec une vanne que je peux ouvrir, ça ne fait rien. Oh putain, ça fait bouger des symboles avec... Saturne, des étoiles, soleil, des lunes, etc, etc. Oh, le bordel. Oh, ça sera sûrement pour la prochaine salle, ça, parce que j'ai rien du tout qui correspond à ça, moi. Mais je pense que ça va me permettre de peut-être moi avancer plus tard et... Non, je me suis coincé dedans, j'ai pas fait ça. Bah écoute, vu que j'entends une musique qui fait peur, je pense que tu as déclenché un piège et que si tu ne fais pas assez vite, tu vas crever. Ben, je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que l'eau monte et je ne peux pas sortir. C'est carrément un piège. Oh putain, au-dessus de moi j'ai des symboles, j'ai une rose des vents. Au-dessus de moi. Avec, alors, au nord-ouest j'ai Saturne, à l'ouest j'ai les trois étoiles, au sud-ouest j'ai une espèce d'étoile à quatre branches. En bas à droite j'ai... météorite, à droite j'ai la lune et en haut à droite j'ai le soleil. Et avec ça je sais pas quoi faire. J'ai absolument rien de toute façon de mon côté qui correspond à des symboles pour l'instant donc. Bah écoute, j'ai bu la bière, je suis bourré. Écoute, c'est un plaisir de te l'avoir envoyé pour ça.
Au moins. Bah, j'ai. Hein. Et je vois pas du tout comment je peux déplacer les trucs en fait. Non, mais je pense que ça doit être pour la suite. Hein. Ça doit être pour. Sans... Quand moi j'aurai réussi à ouvrir ma porte, je devrais certainement arriver dans un truc où tu pourras m'aider avec ça. Ouais, ah ouais, bah je vais mourir en attendant. Bah, moi j'ai réussi à fabriquer une chope verte, mais je peux la boire aussi. Je sais pas si elle est plus efficace que les autres, mais pour l'instant ça ne me sert à rien. C'est ça, je pense que ce piège là faut pas y aller tout de suite. Donc je vais mourir, je pense. Enfin, je suppose. Il va falloir que tu m'envoies tes plantes, je pense, quand tu seras ressuscité. Ouais, attends, pour le moment, faudrait que je meure hein, déjà, ce serait pas mal. Ah, ça y est, je crois que ça va arriver. Non. Parce qu'effectivement, j'ai un truc qui dit qu'une chope verte plus des graines jaunes, ça me fait une plante jaune que je pourrais peut-être utiliser dans ton insecticide. Ah, mais j'ai l'eau qui se remplit et je ne veux pas mourir. Bah écoute, je sais pas trop quoi faire pour accélérer ton futur destin. Et bah moi non plus. J'arrive pas à crever, c'est un peu chiant. Mais genre tu nages ou un truc du style? Oh, je suis sous l'eau depuis tout à l'heure, là, je te parle même dans le talkie-walkie sous l'eau. Merde, on a peut-être fait bugger un truc. Bah, s'il te donne accès au puits alors que t'es pas censé y aller, moi je veux bien, mais un peu bizarre quand même, quoi. Cool, je vais faire des tests de recettes en attendant. Mais ouais, sinon on rechargera. Hein. C'est un peu naze, hein. Là je suis sous l'eau depuis tout à l'heure, je peux plus accéder à la surface et puis le jeu il attend. Ah ça y est, enfin. Plop plop. Bon bah s'il faut qu'on fasse tous les barils et tout, on va être content. Non, je pense que j'ai juste à te renvoyer les trucs. Il y a moyen que il y a un point de sauvegarde quand t'as ouvert la porte, j'espère. Bah. Encore heureux. Sinon on mettra un petit montage, c'est pas grave. Ouais. Ah, j'arrive au début voilà, de la scène. On est bon. C'est bon, t'as tes trucs. Alors, tu vas direct me dire les trucs qu'il te faut, les plantes. Mais les plantes, je crois que je pouvais pas te les envoyer en fait, j'avais déjà essayé. Attends. Ah. Attends, non, je peux pas te les envoyer, je peux t'envoyer que les seaux. Mais bah, je peux pas t'envoyer les plantes. Sert, à quoi ça sert? Attends. Je vais tirer quelques chopes déjà pour avoir de l'avance. Hop, voilà. Est-ce qu'il les récupère tout seul? Ouais, c'est bon. Il récupère à l'autre bout de la salle, je peux les tirer. Tu m'entends bien, tout va bien? Ouais, pardon, excuse-moi, c'est moi qui étais en train de. J'ai oublié le bouton. J'étais en train de dire que je me tirais quelques chopes d'avance. Je récupère ton chargement. Hop. Ah, j'ai trouvé une petite pelle à jardiner et j'ai des endroits où je peux planter. Ouais, c'est ça, où je peux planter des. Attends, je regarde le tuyau où il va. Ah ouais, d'accord, putain. Bah, si, à mon avis, je suis bien obligé d'y aller dans ce piège. Hein, puisque faut que je récupère. Il faut pomper de l'eau dedans pour pouvoir l'injecter après sur la plante. Bon, on verra après. Ah ouais, du coup ça correspondrait parce que moi j'ai sachet de graines d'une plante plus une chope d'une couleur, ça donne la plante. C'est ça, et moi je peux planter les trucs, je peux directement les planter en fait. Et après il faut les arroser, et pour les arroser il faut l'eau en fait, que je dois aller activer dans le piège. Ouais, donc tu dois certainement pouvoir pomper sans te tuer quoi. Attends, je t'envoie une chope verte, normalement si tu prends... renvoie-moi le train. On va tester, ouais. Donc, une chope verte, tu me dis quel légume il faut que je plante avec, enfin quel truc là. Donc, je t'envoie la chope verte, et normalement, c'est la chope verte plus le légume jaune. Alors, le légume jaune avec trois cornes sur le dessus. Ou plutôt façon aubergine, avec du truc vert au-dessus.
Plutôt façon aubergine avec la feuille dessus là. Ok, alors attends, je vais mettre ça, on va le mettre là. Shop verte, il me propose de la boire. Non, je veux pas trop envie en fait. Normalement, il faut un appui long pour la boire, donc tu devrais pas le faire par accident, je pense. Non, 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 effectivement, mais je vois pas comment je peux le mettre dans quelque chose. J'ai bien mis le truc, mais après, je sais pas du tout ce que je peux en faire. La vache, elle est velue cette salle, hein. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, au-dessus, enfin c'est des trucs de plantation, et au-dessus, tu as un système d'arrosage. Et ce système d'arrosage, c'est un tuyau qui passe devant la plante, qui arrive à une espèce de grosse pompe. Et cette pompe, que je ne peux pas ni accéder ni rien, donc ça, le tuyau rentre dedans, ressort de l'autre côté, et ce tuyau va se planter dans le puits où j'étais. Et quand j'ai activé l'eau à l'intérieur pour... qui doit monter jusqu'en haut pour que la pompe puisse le récupérer, bah c'est là que tout s'est déclenché, les symboles qui sont au mur sont mis à tourner dans tous les sens, et au-dessus de moi j'ai la rose des vents avec les symboles. Mais peut-être qu'il fallait que je monte dans un certain sens, j'ai peut-être pas compris ce qu'il fallait que je fasse, hein. C'est peut-être moi. Hein. Ouais, en plus, peut-être que, je sais pas, il faut que tu... t'avais peut-être un moyen de remonter, ou un truc à la con. Je t'ai pas entendu, pardon. Je suis en train de me dire, tu pouvais peut-être remonter ou et en fait pour pouvoir réaccéder à la pompe. Bah non, j'y arrivais pas parce qu'en fait ça fait bouger tous les barreaux. Les barreaux se déplacent de partout, donc j'ai plus un chemin unique en fait. Et je pense qu'en bougeant les symboles, je peux remettre les barreaux pour les aligner tous. Mais en fait, je pouvais rien faire, je pouvais cliquer sur rien. Je pouvais juste consulter la rose des vents au-dessus. Mais j'avais beau cliquer partout, j'arrivais pas à faire bouger quoi que ce soit pour recréer un chemin ou cliquer sur les symboles ou rien du tout. J'ai pas compris. Ok, par contre, je viens de me rendre compte que j'ai des dessins qui m'expliquent comment faire des fioles de couleurs. Ouais, d'accord. En mélangeant deux plantes, je peux faire une fiole rouge. En mélangeant deux plantes, je peux faire une fiole bleue. En mélangeant une potion. En mélangeant un seau orange et le légume que tu m'as dit, je peux faire une fiole blanche. Avec une fiole blanche et le légume violet, je peux faire une fiole verte. Ah putain l'enfer. Va falloir qu'on fasse des allers-retours dans tous les sens. Mais le premier truc, c'est qu'il faut trouver comment faire pousser cette plante. Attends, je vais voir. Non, j'ai bien mis la plante, mais par contre le seau, je peux pas aller verser du liquide orange à l'intérieur, quoi. C'est pas possible. C'est pas orange, c'est vert. Ouais, alors moi j'ai un bouquin qui me dit pour créer une fiole blanche, tu prends un seau orange, la plante façon verte aubergine, et ça te donne une fiole blanche. Mais comment, je ne sais pas. Oui, mais il te faut la plante complète, pas les graines. Elle a poussé la plante là ? Oui, bien sûr, il faut qu'elle pousse. Et pour la faire pousser, je pense qu'il y a l'eau. Je vais retourner dans le truc, parce que tant que j'aurai pas de l'eau, je peux pas arroser de toute façon. Donc je vais retourner dans le piège là. Et t'es sûr que tu peux pas mettre la fiole verte dans ta pompe? Parce que normalement c'est les graines plus pas la fiole verte, la chope verte, ça te donne le légume. Oui, sauf que je pense qu'il faut le mettre dans le système d'arrosage, et le système d'arrosage, tant qu'il n'y a pas de l'eau qui passe dedans, je ne peux rien faire. Il faut que j'active la valve, mais quand je vais l'activer, tout va tourner. Et après, je sais pas du tout ce que je dois faire pour... T'as pas un système que tu pourrais me faire bouger mes trucs, toi, non? Bah, il y a le truc de rail là dont je t'avais parlé. Oui, effectivement, là j'ai un or tout en haut. Parce qu'en gros, moi j'ai au mur les mêmes symboles que tout à l'heure. En gros, je t'explique. J'ai trois barreaux qui sont fixes. Et après, j'ai des barreaux. J'ai un barreau sur deux qui est fixe et un autre qui bouge. Et j'en ai un. Ça fait un cercle tout autour de moi dans le puits. C'est du bois, c'est pas de la pierre. Et sur ce barreau-là et ces symboles, j'ai Saturne. Au-dessus, il est fixe, il va pas bouger. Celui d'au-dessus, c'est avec trois étoiles, il va bouger. Au-dessus, il est fixe. Au-dessus, avec un soleil, il va bouger. Il est fixe. Une espèce d'étoile à quatre branches, il va bouger. Il est fixe. Et une lune. Et quand je tire la pompe, tous les trucs se mettent à tourner, ce qui fait que j'ai plus les barreaux alignés. Et je ne sais pas comment les remettre dans l'ordre. J'ai une rose des vents au-dessus de moi, avec le nord et des symboles
aux quatre, à plusieurs extrémités, mais je ne peux pas agir en fait. Je peux que te, comme si je pouvais que t'indiquer des trucs à toi pour que tu puisses agir en fait. Ouais, et moi j'ai absolument rien qui ressemble au symbole de lune, d'étoile et tout. Le seul truc que j'ai, c'est le mon espèce de petit panneau. Alors qui ressemble effectivement un peu au concept où on pouvait déplacer là, les symboles et tout quand on faisait le pont, mais qui a rien à voir en termes de chemin. D'ailleurs il y a des chemins où qui sont des cul-de-sac, etc. quoi. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors je pensais que c'était des rails, mais c'est peut-être des échelles, peut-être qu'il faut que je te fasse descendre une échelle. Qui permettrait de faire ça quoi, mais Mais oui, mais c'est ça, c'est obligé, c'est pas des rails en fait. Les rails, t'as vu, on a pu envoyer le train, c'est ça, c'est avec ce truc là que tu dois pouvoir me faire descendre les barreaux en fait. Il faut que je te donne un chemin, je pense. Écoute, on va tester de toute façon, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Allez, j'ai activé, j'ai tous mes symboles qui se mettent à tourner. Et il y en a 5, normalement j'ai 5 barreaux. Est-ce que tu as bien 5 symboles d'échelle ? J'ai bien 5 symboles d'échelle. Ok, bon bah c'est parti. Alors par contre le premier que je dois récupérer c'est Saturne. Et au-dessus de moi j'ai une rose des vents. Et Saturne à gauche. Roger, ouais, tu m'entends ? Je sais pas ce que t'as fait mais d'un seul coup là j'ai deux trucs au milieu qui se sont mis à tourner. Et bah j'ai activé le piège. Donc là j'ai Saturne qui faut remettre en place. Et Saturne, moi si je regarde au-dessus de moi, j'ai une rose des vents avec le nord, et il est au nord-ouest. Au nord-ouest, j'ai Saturne. Au nord-ouest. Alors, je vais essayer d'emmener ce qu'il faut là où il faut. Vas-y. Ah mais je peux pas là, ça va me pincer. Ah non, ça marche pas là. C'est tendu du string. Ok, ça coince. T'avais... l'étoile était bon. L'étoile était bon. Là, c'est plus bon. Encore. Encore. Stop, 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 stop. Stop. Un cran avant, un cran avant. Vas-y. Encore deux fois. Encore une fois. Une fois encore. Stop. Mais par contre c'est pas Saturne, c'est Saturne qu'il me fallait. Saturne est en haut à gauche, nord-ouest. Ouais, là j'ai réussi à l'envoyer totalement par hasard en bas, mais il faut que je l'envoie en haut maintenant. Celui que tu viens de faire, il était à l'ouest du coup de ma rose des vents. Ah vas-y continue, continue. Encore une seule fois, une seule fois. Stop. Ça fait quelque chose ? Ouais ouais c'est bon, ça m'a libéré le barreau, je peux monter un petit peu, j'ai un petit peu de répit. Le prochain c'est le soleil, et le soleil il est en haut à droite. En haut à droite, donc ici. Alors attends, je peux pas... je cherche les solutions. Hein. Vas-y ! J'ai du répit là. Là c'est plus actif du coup. Ça. Putain. Y a quelque chose qui a bougé, mais je crois pas que ce soit le soleil. Non, mais c'est hyper chaud parce que du coup, quand je bouge les trucs, j'ai une chance non négligeable de bouger des choses qui sont déjà. J'ai dû rebouger un tout petit peu Saturne. C'est pas grave, après je suis sur un qui est fixe, tu peux pas me rebouger.
je suis sur un barreau fixe, donc c'est pas grave. Je pense que tu peux pas recréer le chemin complet, faut que tu les bouges effectivement. Mais là c'est bon, tant que tu faut que t'arrives au soleil. Je vais essayer de passer par ici. C'est par palier en fait, il y a des paliers. Putain mais c'est pas possible, j'en ai pas deux là, j'en ai besoin de deux, j'en ai pas deux. J'essaie de comprendre parce que le problème c'est que là je dois relier un truc, j'ai pas ce qu'il faut en fait, j'ai pas la quantité qu'il faut pour que ça fonctionne. Du coup, je dois le rater quelque chose. T'as encore un peu de marge, vas-y. Ah mais lui il me coince là. Barre-toi là. Ah c'est bon, je t'envoie le soleil. Une fois, stop. Ah non. Vas-y, fais-moi tourner encore, vas-y, c'est pas grave, je suis dessus. Encore. Une fois, stop. Attends, encore une fois, excuse-moi, encore une fois. Hop, je monte juste au-dessus, voilà, ça y est, j'en ai plus besoin. Maintenant, c'est l'étoile à quatre branches, elle est sud-ouest. Sud-ouest. Du coup, t'as de la marge un petit peu. T'as un vrai sud, hein. Oui, j'ai un vrai sud, mais là c'est sud-ouest l'étoile à quatre branches. C'est celle que je t'ai montée tout à l'heure du coup. Non. C'est pas bon là? C'est pas bon? Non, c'est pas la même que tout à l'heure. Hein. Là c'est l'étoile à quatre branches au sud-ouest. D'accord, bah ça doit être vaguement sud-ouest alors, parce que moi j'ai un sud un tout petit peu décalé, donc attends, je vais essayer de refaire. Alors ce truc là... Ouais, au sud j'ai rien moi, j'ai sud-ouest et sud-est. Comment je peux faire pour amener ça là? Mais pour le moment ce que tu bouges c'est pas bon, hein, je te le dis. Et d'ailleurs faudra que tu le bouges une seule fois, hein, donc... Enfin, il faudra le bouger qu'une seule fois pour que je puisse monter, mais bon, c'est pas grave, ça encore, au pire, tu peux refaire le tour. Mais pour moi, ça ne bouge pas. Ah, c'est bon, ça y est, c'est celui-là. Mais en fait, non, faut que tu le bouges plusieurs fois parce qu'il part dans l'autre sens. Vas-y, je te dirai. Encore une fois. C'est bon. Et maintenant, c'est la lune, le tout dernier, qui est à l'est, plein est. Alors, plein est, il va falloir... Toi tu vas venir ici, toi tu vas venir là. Il va te falloir un là. Non, ça marche pas. Toi ici. Toi là. Merde. C'est bon, stop. Hop, dommage. Allez, vas-y, fais le tour. C'est pas grave, je vais pouvoir en sortir là, on est bon. Encore deux fois. Ouais, une fois, vas-y, c'est bon. Encore une fois. Wouhouhou! Oh la vache quoi! Ouais! Et tout ça, c'est juste pour un puits, hein. Et surtout qu'en plus, moi je pouvais pas avancer d'une fois ou deux fois quoi, c'était une roue dentée qui tournait perpétuellement, alors j'étais obligé de me préparer à sortir un engrenage, et dès que tu me disais plus qu'un tour, là je le cliquais dans tous les sens pour le sortir. Alors c'est très bien tout ça, c'est rempli, c'est cool. Est-ce que ça arrose? Ah ça y est, ça m'arrose les plantes. Ah ok. Est-ce que tu peux faire un truc avec le verre maintenant? Oui, je peux l'ajouter à l'eau. Ça y est, j'ai un légume qui a poussé. J'ai un légume vert. Enfin, le fameux légume vert aubergine, là. On a réussi à faire le premier, nickel. Ouais, bah on a débloqué le système, ça devrait aller un peu plus vite, quoi. Et donc, c'est ça qui me disait, si tu prends le vert et le orange, ça donne une potion blanche pour moi. Mais je sais pas du tout comment faire, hein, par contre. Bah, je pense qu'il faut que tu m'envoies et que je mette dans mon petit truc là. Il faut que tu m'envoies ce qui t'a besoin, du coup, tous les trucs, tous les ingrédients. Alors je t'envoie le truc orange et la plante. Cadeau.
Et donc c'est quoi la recette exactement? Eh ben tu mets ces deux là ensemble et ça doit te faire une fiole blanche. Alors c'est ces deux là. Toc. Et on a dit un seau orange. Et ensuite il faudra que je fasse pousser le légume violet avec les espèces de tentacules qui sortent en bas là. Eh bien j'ai la fiole blanche. Ok, il y a 4 fioles à faire en tout. Alors, légumes violets, c'est facile, c'est des graines de légumes violets et un seau de violet. Ok, bah bouge pas, je vais t'envoyer ça, hop. Garde la blanche, hein, garde la blanche parce que tu vas en avoir besoin pour la mélanger avec... Enfin, renvoie-moi le train. Et je te renvoie tout de suite le légume violet. Hop, et tu mélanges les deux, et ça va te faire une fiole rouge. Et on, verte, pardon. Et on aura la première des trois fioles. Et après, c'est que des légumes à mélanger. Enfin, j'ai deux légumes bleus à mettre ensemble, ça fait du bleu. Et deux légumes à faire pour faire du rouge. Et après, les trois mélangés, ça donnera du noir. Donc, il faut que tu me dises comment faire pousser la fleur bleue qui ressemble à une espèce d'œuf avec du. Dans un espèce de demi-lune. Et l'autre, c'est un légume bleu rond avec des espèces de champignons jaunes qui en sortent aux quatre extrémités. Alors moi, j'ai bien l'espèce d'œuf avec du un peu moins bleu autour, là. Et le quatrième que j'ai comme recette, on dirait trois aubergines un peu roses, attachées avec du jaune. Alors ça, j'en aurai besoin, je crois, après, mais c'est pas tout de suite. Là, ce qu'il me faut, c'est pas ça, c'est un rond bleu, bleu et blanc, et avec 4 tentacules qui sortent avec une extrémité jaune. Et bah ça, j'ai pas la recette. Ah. Alors dis-moi déjà comment faire pousser le premier truc bleu. Alors celui-là, c'est facile, faut juste que je mette une chope jaune, donc tu peux juste m'envoyer le légume. Bah non, parce que du coup faut que je plante, c'est des graines. Oui, c'est con, c'est moi qui t'envoie une fiole jaune, excuse-moi. Oui, c'est pas grave. Et garde bien toutes les fioles, hein, parce que c'est toi qui en auras besoin à la fin. C'est parti, je t'envoie la fiole, la chope jaune. J'ai rien d'autre qui est apparu. Avec les recettes. Ok, donc celui-là je l'ai, je vais le mettre dans le chariot, mais avant ça, avant de t'envoyer, parce qu'il y en a d'autres que je peux faire, il faut que je fasse effectivement l'espèce de trois aubergines là. Est-ce que tu sais comment le faire du coup? Alors il faut mettre une chope rouge. Et pour faire la chope rouge, il me faut un légume un peu bizarre qui ressemble à un œuf, avec comme s'il y avait un galet tout en haut jaune et quatre pustules un peu réparties partout. Alors ok, mais comment je le fais pousser? Et bah je ne sais pas du tout. Je suis en train de chercher là si j'ai pas d'autres recettes planquées quelque part. Les mettre, ils poussent. Attends. Bouge pas, bouge pas. Le truc bleu aussi. Ok, eux ils poussent à l'eau directement. Donc je t'envoie. Comme ça t'as tout. Je t'envoie les trois légumes. Alors, on va tout de suite mettre une chope jaune. Alors, il me faut ça. Sachant que celui que je t'ai envoyé avec les trois pustules et le chapeau, il m'en faudra aussi pour faire une fiole rouge. Avec les trois aubergines. Mais je peux en refaire pousser, moi. Ah, c'est logique parce que ça fabrique une chope rouge, donc... Du coup, je t'envoie une chope rouge qui devrait te permettre de faire pousser les trois aubergines. Et après, que je peux remélanger pour refaire du rouge. Ok, parfait. Et j'en fais quoi des deux autres? Donc, je te renvoie ça. Et ça. Et si tu les mélanges les deux, normalement, ça va te faire une fiole rouge. Et alors, ensuite, si tu mélanges l'œuf avec dans la demi-lune avec l'autre légume bleu, ça te fait une fiole bleue.
Et quand t'auras fait ça, tu me confirmes que t'as bien une rouge, une blanche et une bleue. Ça cuisine, ça cuisine. Alors, j'ai plus la blanche vu que tu me l'as fait mélanger. Là, j'ai une verte, une rouge et une bleue. Ah oui, je t'ai déjà fait mélanger la verte. Ok, donc t'as bien une verte, une rouge et une bleue. Bah, tu mélanges les trois et ça doit te donner une noire. Et normalement, avec ça, on peut buter la plante. Ça y est, je peux les mettre dans mon four. Eh ben... Je tire sur la manette. Tire sur la bobinette et la chevinette, Shira. Pardon. Et j'ai effectivement un liquide noir avec une tête de mort dessus. Ah, ça t'a même imprimé l'étiquette, c'est classe. Et j'ai pu en équiper mon spray, donc je t'envoie le spray. Et on va pouvoir après s'arrêter là, je pense qu'on est bon. Je vais pouvoir la buter. C'est parti. Alors le succès qui s'appelle recette du Shoas, je pense que ça devait être un recette du chaos. Parce que... Quel enfer! Oui, il y a un succès chacun, donc je l'ai pas forcément. Ah oui, c'est vrai, les succès sont différents, j'avais oublié. Voilà, donc du coup, ça m'a donné une deuxième pierre qui permet de reconstituer la pierre d'âme. J'en ai une bleue et une jaune maintenant. Et ça m'a ouvert une nouvelle salle. On va pouvoir juste y rentrer et puis on pourra arrêter l'épisode là. Ah, tu me dis quand c'est bon pour toi, je fais la petite outro. Attends, j'arrive juste à l'étage de mon truc d'alchimie. Je rentre dans la porte. Tu es toujours là ? Toujours, j'ai eu ma petite cinématique avec la lame qui continue de se former et les fantômes qui s'engueulent. Ouais, bah moi j'ai eu le mec toujours qui me dit que ça y est, on va pouvoir bientôt... c'est dans cette pièce que se trouve la façon de forger la pierre d'arme. Et puis voilà, et après il s'est mis à manipuler un espèce de pantin bizarre qu'il a jeté dans un fossé. Il a dit « Ah, ce vieux bouc, trois petits points. » Voilà. Parfait. Bah, la salle que j'ai envoie du rêve, donc je pense qu'on va s'arrêter là tout de suite. Et ben on va se dire à très bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. C'était velu, mais on s'en est tiré. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. À très bientôt pour la suite. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup.